Bonsoir, mec. Comment? I'm alright. Ouais, ça va. How's everything, man? Ouais. Thank you for coming, guys. Bon arrivée. Ça va. Bienvenue, hein. Peace. Welcome. Bon, on va s'approcher. On va faire ça ici. C'est bon ici? Ici, c'est bon. Ici, c'est bon? Ah, ici, c'est bon. Ok. Ah, t'es venu là. Alors les gars, on peut en donner, c'est sûr. Voilà, on va. Oui, quelqu'un n'a qu'à couronner. Voilà, on fait pas. Voilà, on va bien là. On va bien là. David, tu veux bien? Non. Je m'en prends beaucoup dans le sous. Tu viens? Allez. Allez, dans mon micro là. David, faut aller demain. Allez, dans le micro. Bon, qui cordonne? Mais qui cordonne? Alors c'est bon, on donne le pouvoir aux femmes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bonne arrivée. Merci beaucoup. Et parle-nous un peu de votre arrivée ce soir. Alors, d'abord tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est comme ça, mon nom c'est DTM, je suis un artiste guinéen, d'origine guinéenne, qui vit aux États-Unis. Alors je suis là pour la dédicace de mon album No Limit. Au Palais du Peuple le 9 mars à partir de 14h. Donc tout le monde est invité. Bon, vas-y. L'album No Limit, comment s'est passée la composition de l'album? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Je dirais que c'est du lourd. Il nous compte toujours comme l'autre album à Mac. No Limit, c'est juste un upgrade. On a beaucoup travaillé sur cet album et on est venu avec un autre style dénommé Afrofusion. Donc, look for that. Et ça comporte combien de titres? Ça comporte 8 titres. Quel est le message principal de cet album? Ah, je chante le quotidien, donc il y a du tout. Et quelle sera la grande surprise? La surprise, c'est au Palais du Peuple, le 9, à partir de 14h. Pourquoi avoir choisi le titre No Limit? Est-ce que ça symbolise? Ça symbolise, après la sortie de mes albums, je dirais après la sortie de mon album I'm Back, j'ai fait des tours et j'ai compris que c'est là où tu te limites. C'est ça ta limite, au fait. Sinon, il n'y a pas de limite. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a pas de limite. No sky, nothing. There is no limit. Est-ce que vous pouvez nous faire un avant-goût? Non, avant ça. Avant l'avant-goût. Avant ça. Et qu'est-ce que vous avez préparé pour vos fans? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? J'ai beaucoup de surprises, mais je sais que je n'ai jamais déçu mes fans pendant toutes ces années. Et on va avoir des bons moments ensemble au Palais du Peuple. Et on verra beaucoup avec la radio, beaucoup plus de détails. Est-ce que DTM sera seul sur la chaîne? Excuse-moi. Si DTM sera seul sur la chaîne? Oh, ça on verra. On verra, c'est des surprises comme je le dis bien. Ouais. You know, mais quand même, on aura un bon show. Un appel pour la jeunesse. J'invite tout le monde. Je sais, la Guinée c'est mon pays natal. Je suis né ici. Donc, je suis à la maison. Donc, je lance un appel à tout le monde. Tous les rappeurs, tous mes amis qui sont là. You know, c'est des musiciens comme moi. Pourquoi DTM? Alright. Le rapport entre le lien, on a des bons liens. Bientôt, on va faire des featuring avec DJ Oudi. Déjà, je fais un featuring. Donc, ça va être bientôt sur le marché. Mais pourquoi DTM n'a pas dû faire directement la dédicace ici? C'est parce que de l'autre côté du monde, la Guinée aussi est représentée de l'autre côté du monde, you know, aux États-Unis. C'est surtout à New York qu'on est beaucoup nombreux maintenant. Les Guinéens, on est plein là-bas. Donc, comme je vis là-bas, on a décidé de faire l'album là-bas et la dédicace. Mais après, l'honneur, on donne à mon pays natal. Après 10 ans d'absence, DTM est revenu avec son album I Am Back. Est-ce que prochainement, chaque année, c'est un album? Actually, disons, ça dépendra. You know, ça, après I'm Back, ça fait à peu près 2 ans. Et nous, on a sorti nos limites. Donc, ça va. L'inspiration est revenue, on peut dire comme ça? Oui, le public m'inspire. Pourquoi DTM attend chaque mois de mars pour sortir son album? Exact. Tu vois, je suis né au mois de mars. You know, le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme, je pense. You know, donc, les femmes m'adorent et je les adore aussi. Donc, je sais qu'elles me soutiennent beaucoup. Donc, je profite de l'occasion pour dire que je vais fêter mon anniversaire le 9, parce que je suis né le 8. Donc, voilà, on va le faire. On a constaté aussi que DTM chante beaucoup plus l'amour. Pourquoi? Ou parce que, tu sais, je me dis que tout démode, quoi, tu vois. Les nouvelles voitures sortent tous les jours. Mais l'amour, c'est pour la vie, quoi.
Donc c'est quelque chose qui reste toujours. DTM qui aime les femmes, est-ce qu'il y a un titre dans le nouvel album No Limit dédicacé aux femmes? Oui, beaucoup. Jalousie, you know, c'est presque beaucoup de chansons d'Elima. You know, plein de chansons là-bas. On peut avoir des accords. Oui. Hey, no, 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 aduna bela fimere yo ko alla o kumada jalousie. Ça va? Eh, ton nom? Ah, la position. Pas de paradis de